Hey, comment ça va la communauté du Moulin? Alors, aujourd'hui, nouvelle présentation d'un super bicycle. Vous vous souvenez du 8D? Voici son petit frère, le 7D. Cette année, on voulait vraiment, vraiment faire attention à vous. On s'est dit, on voudrait que tout le monde ait le pouvoir de avoir un superbe bicycle électrique. Ce bicycle, c'est peut-être le premier vélo électrique le plus confortable que vous auriez jamais eu dans votre vie. Petite béquille à enlever, toujours pour démarrer. Regardez-moi cette position. Ah, d'un seul coup, je me sens me balader au bord du canal de la Chine. Soleil, cheveux au vent, lunettes de soleil. Prêt à aller jusqu'au marché à Twitter chercher mes petits légumes. Alors, pour la petite présentation, batterie moteur. On parle d'une batterie de 309 Wh, ce qui donne une autonomie d'à peu près 20 à 40 km selon votre moyen de pédaler, selon la puissance que vous allez donner. Le contrôleur, afin de pouvoir donner l'évaluation du niveau de batterie ainsi que le niveau de puissance moteur, très simple. On l'allume, on l'enclenche, niveau de batterie juste ici, et les trois niveaux de puissance du moteur. La batterie, je vais vous montrer comment on l'enlève pour pouvoir la recharger. Très simple, vous avez un jeu de clés, vous tournez, vous tirez, vous la glissez pour la réenclencher, rien de plus simple. Vous la reglissez dans le socle privé à cet effet, poussez un petit coup, le petit clic signifie la sécurisation, vous êtes paré pour rouler. Surtout pas oublier, qui dit vélo électrique dit forcément casque, c'est obligatoire. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vous en parlais juste avant un peu tantôt là. Le porte-bagages, vous pouvez également additionner en fait une sacoche qui va vous permettre d'aller chercher vos fruits et légumes directement au marché à Twitter et ça... Ça, c'est génial. Maintenant, je vous dis à bientôt. Moi, je vais chercher mes fruits et légumes au marché de Twitter. Salut !